Thierry, un petit tour de carte. Allez. Je sais que t'aimes bien ce type d'effet, c'est un sandwich. Alors ça va se faire avec deux rois, enfin, du moins j'ai décidé de le faire avec deux rois, le deux rois rouges, et un jeu de cartes. Tout simplement. Ok? On peut examiner. Oh, on peut examiner. Je peux même le mélanger, mais bon, j'ai la caméra. La caméra, ça va être dur. On va le mélanger. Mais là, c'est un tour qui se fait avec une carte, des cartes ordinaires, un tour classique. Mais c'est un sandwich qui est assez convaincant et qui est très joli. Tiens, Thierry, choisis une carte, celle que tu as envie. Tu prends, tu la regardes, tu la signes, très important. Hop, je te laisse faire. Même si tu la vois, c'est pas grave. Même si je la vois, c'est pas grave. Parce que tu vas voir ce qu'on va faire avec. Voilà, je rebouche. Et tu me dis stop quand tu as envie. Stop. Avant. J'arrive à la fin. Mais ça va, il me reste encore. C'est bon ? Ta carte va être complètement perdue et mélangée. Hop. Hop, voilà. Et en plus, c'est coupé. Alors regarde ce qu'on va faire. Avec un petit peu de chance, on sait jamais. Ça, on le dit pas, mais pour ce tour, oui. Est-ce que ta carte est quelque part sur le dessus du jeu ? Non. Enfin, du moins, elle fait partie de... Non ? Est-ce peut-être dessous ? Non plus. Non ? Donc très bien. Ça veut dire que ta carte est perdue entre la carte numéro 1 et la carte numéro 52. C'est déjà quelque chose de pas mal. Mais on sait pas où. Eh ben, pour la retrouver, on va se servir de ces fameux deux rois. Et pour ça, on va faire un truc très spécial. Tu vas couper n'importe où le jeu, à peu près à la moitié. Je regarde les rois quand même. Je suis où je veux. Ouais, où tu veux, voilà. Et ensuite, il n'y a pas ta carte. Enfin, ça aura pu. Hein. Et maintenant, ce que tu vas faire, c'est que tu vas couper la partie inférieure. Voilà. Et où tu as coupé, on va poser les deux rois. C'est honnête. Ouais, c'est honnête. Mais on va poser les deux rois, enfin, comme ça, mais légèrement décalés. Au moins, on les voit toujours, d'accord? Pas de triche. Hein. Et je recomplète ta coupe, juste ici. Donc, t'imagines, avec tout ce qu'on a fait, on ne sait pas où est ta carte. Mais en tout cas, les rois, tu les as placés dans un endroit bien spécifique. Alors, ta carte, je suis d'accord, elle pourrait être dans la première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième, huitième, neuvième, dixième. Toutes ces positions-là, ta carte peut s'y trouver. Oui. Je vais te demander toi-même de rentrer les rois dans le jeu, vas-y. Tu les égalises. Voilà, et tu vas couper le jeu, n'importe où. Et t'as vu, de cette façon-là, tu n'as pas pu séparer les rois. T'as pu juste les déplacer. Là, elles ont bougé, ils ont bougé ensemble. Exactement. Moi, est-ce que tu coupes dessus, mais si t'avais coupé dessus, on aurait vu un roi ici, il n'y en aurait un dessous. Eh bien, que tu le veuilles ou non, les rois, en se déplaçant, ont choper ta carte. Et ils l'ont sandwiché. Oui. Et c'est fou parce que regarde, si tu claques des doigts, non, mais je sais, tu rigoles, mais pourtant ça paraît impossible. Mais si tu regardes bien, ici, juste à la fin, c'est pas moi, c'est toi, hein, ils ont sandwiché une seule et unique carte. Je sais, ça paraît impossible. Avec tout ce qu'on a fait, quel était le nom de ta carte ? 6 de cœur. Ah, c'est ça, parce qu'elle est signée. Bravo. Bizarre. Comment c'est possible ? Et tu peux constater que, bien sûr, il n'y a qu'une seule signature. Et qu'il n'y a bien sûr qu'une paire de rois. Très important. Facile à faire. Jeu normal, pas rien de truqué. Jeu normal, facile à faire. Impromptu. Impromptu, facile à faire, je dirais pas facile à faire. Mais c'est un bon tour, ça fonctionne, ça vaut le coup de le travailler. Voilà. Maintenant, passons à l'explication.